Bonjour peuple congolais. Donc c'est le Thier. Je viens là pour faire une vidéo. C'est très important. Donc après Clément Mirassa sur la place de Paris, voici Mathias Nzo. Mathias Nzo, le clan de 8%, le corbeau noir sur la place de Paris, qui vient pour pouvoir aussi faire un autre travail. Donc Clément Mirassa, qui avait eu un passeport soi-disant diplomatique, mais c'était un passeport diplomatique donné par 8% afin qu'il puisse venir faire un grand travail sur la place de Paris, donc en France, le territoire du nouveau président Emmanuel Macron, qui n'est pas quelqu'un qui joue au double jeu comme Hollande le corrompu. Parce que vous savez, peuple congolais, soyez fiers, nous avons un homme qui est le président de la France, Emmanuel Macron, qui va faire immensément beaucoup de bonnes choses pour secourir le peuple du Congo. Parce que le peuple du Congo a souffert énormément. Et si c'était seulement compté sur la diaspora pourrie alimentaire de France, Sassou n'allait pas tomber. Hein. Il allait toujours être là. Mais avec le travail immense qu'une des grandes sœur a eu à faire, dont pas mal critiqué, en disant voilà, ils sont avec Emmanuel Macron. Mais aujourd'hui, ça a porté beaucoup de fruits, parce que cette grande sœur, Flavie, lui a travaillé tout en coulisses et en douceur, et ça a rapporté beaucoup de bons fruits. Hmm? Grâce à elle et le travail du Thier. Donc, peuple congolais, là nous avons Mathias Nzo qui est sur la place de Paris. Il vient faire quoi? Il vient sur Paris pour pouvoir faire asseoir cette diaspora du ventre, cette opposition soi-disant, mais alimentaire, qui percevait des enveloppes kaki de 8%. Mais depuis, avec le travail immense du Thier, qui a démonté pièce par pièce cette diaspora, et aujourd'hui, cette diaspora n'ont plus leurs enveloppes kaki comme avant. Donc vous voyez, donc Mathias Nzo est sur la place de Paris pour une mission. Mais sa mission ne va pas réussir, parce que ici, c'est le pays du président Emmanuel Macron. L'homme fort, l'homme qui a un charisme pour redresser la France et l'homme qui a un charisme pour dire non aux dictateurs. Parce que pour les dictateurs, avoir eu à donner par exemple la main aux Nations Unies, vu Sassou avait posé sa main comme ça, Emmanuel Macron est passé, donc Sassou s'est dit, vu que j'ai salué Emmanuel Macron, donc c'est bon. Mais non, c'est pas bon. Parce que le président Emmanuel Macron, lui, il ne veut pas des tricheries. Il ne veut pas du système du son. Hein? Non! Il y a des gens qui disent, oui, c'est un franc-maçon de Turc. Mais dans la franc-maçonnerie, il y a des degrés, des catégories, de niveaux. Donc, Sassou qui a été radié dans la grande loge de France, comme des bruits courts un peu partout, il n'est pas un franc-maçon et il n'est plus un franc-maçon, mais franc-maçon-sorcellerie. Donc, Clément Mirassa, qui est le frère intime de Guy Mafimba, le traître des traîtres, ainsi que de Wabari, Mariotti,
dont le nom sonne comme un mafieux italien, pour eux, ils se disent qu'ils vont devenir des ministres ou présidents au Congo. C'est bien de continuer à rêver. Ils ne le seront jamais. Donc, Mathias Nzo, c'est le tien qui te parle. Tu dois faire très, très gaffe. Il n'y a pas à jouer ici à Paris. Il n'y a pas à jouer. Parce que maintenant, Mathias Nzo, tu vas savoir une chose. Quand Sassou va tomber, Mathias Nzo, tous Congolais devront avoir ça. Ça là. Hein? Ça. Pour commencer à découper tous les traîtres sur la place de la guillotine qui sera faite au Congo-Brazzaville. Parce que les traîtres, il faut les découper. Parce que la place de la guillotine, l'histoire nous a prouvé qu'en France, il y avait une place de la guillotine, aujourd'hui dont on appelle la place de la Concorde. Nous, il faudrait que nous fassions une ruelle qu'on va appeler la place de la guillotine pour découper tous les collabos, tous ceux qui ont mangé l'argent avec Sassou. Le voleur des voleurs, il faut qu'on commence à les découper. Et il faut qu'on pende tous les traîtres du Sud qui ont donné la possibilité à Sassou de faire 32 à 33 ans de pouvoir. En commençant par le président de l'Assemblée nationale, Mvouba, et Clément Mwamba, premier ministre. Hein? Et nous allons faire des choses immenses. Parce qu'il faut en découdre tous ces vampires. Ces vampires ont fait immensément du mal à la République du Congo. Les Congolais ont trop souffert. Donc ça là, hein, en pleine tête de chaque collabo, comme ça, on va en finir avec tous les collabos. C'est ça. Tous Congolais auront ça le jour quand on va attraper Sassou. Tous Congolais devront avoir ça à la main. Chacun doit couper Sassou et prendre la part, un morceau de part de Sassou pour être sûr que Sassou n'est plus. Tous Congolais vont le couper en morceaux. Chacun ira avec une part qu'il va garder dans un carton, un endroit. Pour être sûr que Sassou, il n'est plus. Parce que Sassou a trop fait du mal au Congo. Donc, ça là, il faut avoir. Ça, c'est pire qu'une hache. C'est pire qu'une machette. Hein? Ça là. Donc, avoir ça, tout Congolais. On va commencer à découper Sassou en 1000 morceaux. Chacun ira avec la part pour garder. Pas pour manger, parce que nous, on n'est pas des reptiliens. On n'est pas des cannibales. Donc, il faut commencer à s'occuper de Sassou, hein, avec ça. Hein, tout le monde va le couper en morceaux. Hein, peuple congolais. L'heure doit être terrible pour tous ceux qui ont envoyé pas mal de Congolais à la mort, qui ont tué immensément nos frères et nos sœurs, ont violenté des mamans sexuellement, ont découpé des enfants, ont tiré en pleine nuque des enfants qui ont refusé les cahiers de Kiki, Kaka, Nguesso et d'Edgar. Il faut qu'on commence à s'occuper d'eux. Donc vous avez ce Mathias Nzo qui est venu pour une mission tangible sur la place de Paris. Peuple congolais, après vous verrez, ça sera le tour de Mounari pour venir à Paris. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, nous allons empêcher toute leur comédie des clans Guesso de jouer sur la place de Paris. Parce que même Mounari, elle aura ça. Chaque Congolais doit couper Mounari morceau par morceau. Et aller être sûr que chacun a eu sa part pour être sûr que Mounari ne sera plus de ce monde et Sassou Nguesso
Hein? C'est comme ça, le Congo. Non, il y a trop eu des morts. Donc, vous voyez tous les coins de Brazzaville, les centres-villes. Il y a des ronds-points. Sassou a enterré des têtes des gens qui l'a décapité là. Il faut commencer maintenant à dynamiter chaque rond-point que vous verrez dans Brazzaville. Quand vous allez dynamiter ces ronds-points-là, vous allez voir. Immensément de secrets cachés là-bas. Pour étouffer les Congolais, qu'aucun Congolais ne bouge. Peuple congolais, levez-vous. Montou Fouakou. C'est Sassou qui doit mourir. Et ça va se faire. Que Dieu vous bénisse, je ne vais pas rester longtemps. Donc, Mathias Nzon, on te rend. On l'a eu Clément Mirassa. Maintenant, ça sera ton tour, Mathias Nzon. Ainsi que Mounari quand elle viendra ici pour jouer à sa comédie. Nous, on n'a plus besoin de jouer à la comédie. Nous, nous sommes les vrais. Nous voulons la libération du Congo afin que le peuple congolais ait une vie meilleure. Que Dieu bénisse le nouveau Congo. Que Dieu fasse par sa puissance lui qui a créé le ciel et la terre. Que les Congolais aient ce qu'on appelle une libération totale dans tout le Congo. Et que le peuple congolais soit un peuple respecté dans le monde. Et que tous ceux qui ont perdu leur bien dans Brazzaville puissent récupérer tous leurs biens. Que ceux qu'on avait vendu leur parcelle avec le régime de Sassou puissent récupérer leur terrain. C'est comme ça. Le message est clair. Donc Sassou Montou Fouakou, tu vas tomber Sassou. Tu tomberas. Au nom du vrai président Fulbert Yulou, au nom du vrai président Massamba Déba, au nom du vrai résistant Grégoire André Massoua, et au nom du cardinal Émile Biaenda que Sassou avait enterré vivant. Et vous allez voir. Donc là, c'était le tien, j'ai fini. Mais je garderai toujours le charisme parce que je suis un vrai. Nous, on n'est pas des traîtres. Nous, on n'est pas des gens du ventre. Parce qu'on a bien mangé le beurre quand on était petit. À l'école, on allait en basket, en chaussures. D'autres, pendant ce temps, allaient avec des caoutchoucs, mais que je n'appellerai plus des caoutchoucs, des contreplaqués. Parce que derrière, il n'y avait plus de semelles du caoutchouc. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui veulent vendre toute une génération congolaise pour l'affaire de Nsatu Nsatu. Donc, diaspora alimentaire à la con. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.